Et salut tout le monde, c'est Edkin, on se retrouve aujourd'hui sur Escape Quest. On s'est dit avec Epa, on a l'habitude de faire des escape games sur Minecraft, et on est d'ailleurs très fort sur les escape games Minecraft, mais on s'est dit, pourquoi pas tester un jeu entier où le but c'est de s'échapper. What? Attends, parce que là, là il y a un crâne, c'est hyper réaliste, et c'est quoi ça? C'est toi? Je sais pas, c'est... Mais je crois qu'on a la même tête, tu vois mes yeux? Je suis comme non. Ça moi, c'est vraiment... Ah, t'es ignoble, enfin je sais pas... Je suis un polygone? Plutôt oui. Avec deux yeux, pas de jambes et pas de bras? Exactement. Oui, c'est moi. Oui. Oh merde. Oui, t'es moche. Bah moi aussi, bah on est moche. Elle est où ta bouche? Fais-moi sourire. Qui est cet homme? Bon, Joseph, écoute, c'est pas... On s'est dit, ouais, sur Minecraft, on gère tout le temps, on arrive à s'en sortir. Mais là, il y a un jeu qui est entièrement consacré à ça. Wow, qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Attends. Vas-y, lis-nous ça. C'est en français? Oh, attends. Non, c'est en anglais. Ah ok, bah déjà c'est la merde. Je sais pas comment, mais je me suis levé il y a quelques jours dans cette place horrible. Je suis piégé ici et je dois trouver une façon de m'en sortir. C'est exactement ce qu'on s'est dit. L'odeur et la poussière ici sont horribles. Je confirme, oui. J'ai vu énormément de corps morts, oui ça on confirme aussi. Ouais aussi. Je n'en suis pas si sûr, mais il me semble qu'il y a d'autres personnes qui sont piégées ici. Si quelqu'un lit ça, bonne chance. Signé Erdi. Erdi. Qui est Erdi? Erdi, hey, t'es où? Je suis... Ah, t'es dans là. Le repos éternel. Ah, il vient de se lever. Il vient de revivre de ses cendres. Ouh, ah, regarde, j'ai vu ça, un coffre. Mais putain, il prend tout. Ouais, ah, j'ai une bougie. Alors là, il va falloir... Ce bruit. Oh, t'en... Arrête. T'as pas de l'huile? De la bonne huile de baleine, là. Du WD-40, là. Voilà. Ah, si tu veux, t'en as une autre, ici, là. Ah oui, j'ai une candle. Ah, génial. Oh, non, voilà, candle. C'est bon. On en a une tous les deux. Attends, est-ce qu'il y a pas un truc là. Parce que regarde, est-ce qu'il y a pas des trucs au cul ou un truc comme ça? Non. Au cul? Hop là. Ah tu crois? Ouais, moi à chaque fois je regarde, ouais. Tu sais, ça se trouve il y a des trucs. OK. Bon, attends, on va essayer de l'allumer, il y a pas un feu là? Attends. Si, il y a des bougies là. Attends, je vais essayer de les allumer sur les bougies. Tu penses que ça fonctionnerait? Non, ça fonctionne pas. Attends. Ah, si tu fais non, fonctionne pas. J'essaie de l'orienter mais non. Oh regarde. Regarde, il y a une énigme. Là, regarde. Une verte, rien. Une rose, rien. Donc, il faut trouver un chandelier où on peut les poser. Ok, ah, très voilà, bien. Regarde. Bien vu. Parfait. Ah non. Attends, la rose, elle va là. Ça, c'est là. Et voilà. Ok. Attends, je reprends une rose. Mais là, c'est comme ça. Hein. Mais non, mais il y a deux chandeliers. Ah oui, et il y a celui de droite, c'est droite et vert. Ok. Ah, oh, il a. Oh, il l'a pris avant moi. Non. Si, c'est sur la deuxième. Ah non, regarde. Ah mais regarde là, il y a deux roses aussi. Deux roses et deux vertes. Oh merde, il y en a un autre, c'est effectivement. Ah, attends, vite, moi je prends une rose. Il y en a qui s'assemblent. Il y en a qui s'assemblent. Regarde, il y en a deux vertes et une violette, une verte. Donc deux vertes, une violette et il faudra une verte sur l'autre, OK? On est d'accord? Ah, il faut les associer? Ouais, je pense, ouais. Hop, regarde là. Oula. Et là il y a deux vertes là où j'ai plus de verte. Ah oui, donc là je mets la verte là ici. Pourquoi y'a plus de verte? Ah ouais, t'as eu trop de raison, elles se sont allumées. Effectivement, il faut associer les deux, bien vu. Je te l'avais dit. Il me faut encore une verte. J'ai plus. Ah non, c'est une violette qu'il faut. Mec, je vais t'engager. Elle est comme ça? Attends, ça faisait verte, violet. Verte? Verte, violet. La violette. Violet. Oui, ouais, c'est bon, c'est j'ai réussi. Oui. Allez, let's go. Parfait. Vite, l'empalement. Je veux le loot. Ok, let's go, il y a un coffre. Oh, le piège. Ah, ok, il faut 4 clés apparemment. Oh, merde. Et pas une de plus. Alors, attends, j'ai un pied de biche, et je crochette. Oh, viens voir. Où mec, ça? Mec, je vais profaner une tombe. Ok. Comme si on n'était pas assez dans la merde comme ça. T'es prêt? Ouais, vas-y. C'est Joseph Boer. Et lui. Oh. Ah, il a laissé un message. Oh, attends. Faut que je le vois à la lumière parce que là je vois rien. Alors, cher profanateur de tombes. C'est pas moi. Moi j'ai juste pris le truc que t'as ouvert. Regarde, t'as le pied de biche. Je vois, t'as le pied de biche. Non, c'est pas moi. Si vous lisez ceci, c'est que je suis mort. Ok. Je suis sûr que vous avez été piégé dans la crypte et que je suis malheureusement mort. Je suis désolé de vous laisser déçu comme cela. Je ne vous laisse rien à part cette lettre. Ok. Je vous laisse... Mais tu profanes tout, en fait. Ouais, j'en profite pour tout ouvrir. Ok, d'accord. Je vous laisse toutes mes trouvailles et des indices sur mon enfant, signé Joseph Bauer. Ok. Oh, sacré Joe. Attends, je remets dedans.
Jonathan. Oh, oh merde. Bon. Alors, j'ai plusieurs vases là. Ok. Oh merde, j'ai jeté. Oh, j'ai un pot. Je peux pas le lancer. Essaye, essaye de le secouer. On peut tout mettre ici là. On peut les poser ici. Il faut faire un petit puzzle. Et il faut aussi trouver une combinaison de 4 lettres. Ok. Pour ouvrir le coffre qui se trouve ici là. 4 lettres. Ouais, 4 lettres. Alors moi j'en avais une. Ah, ouvre-moi ça. T'as une lettre toi? Bah oui, tout à l'heure, celle de Bauer. Non, mais des lettres ABCD. Ah, ABCD. Ah, ouais, ok, d'accord. Ici là, rien. Faut qu'on tourne les sheets. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai un message pour toi. Mon quatrième est ma femme. Mon premier est sa sœur jumelle. Le premier de la fille de Jérémy. Et finalement, le troisième du mien. Waouh. Qui est Jérémy? J'ai pas compris. Bah, qui est sa femme déjà? Qui est sa sœur? Je sais pas. Alors, moi, j'ai trouvé une autre lettre, si tu veux. Dans l'obscurité, je reste silencieux. Seulement le... Là, j'ai un trou. Seulement le révélera mes secrets. Et j'ai une croix en fait. Je comprends pas ce que c'est. Tiens. Regarde, t'es où? Là. Je t'ai perdu. Attends, viens, on va déposer toutes les lettres genre ici là. Voilà, tiens. Ah, c'est un recueil. Au milieu, je t'ai laissé le truc. Je vais chercher celle de Bauer. Ah, il y a un point effectivement. Ouais, il y a une croix avec un point au milieu, mais je sais pas à quoi ça correspond. Donc dans l'obscurité, je vais rester silencieux. Only the will reveal my secret. Ouais. Ah. Only the quoi? Only the dick. Oh, bah non, c'est la tienne. Only the lumière, only the light. On a plein de tailles différentes, hein. C'est fou. Ouais. Mais c'est pas la taille qui compte. Ah, là, il y a deux petits, il y a un moyen, il y a un grand. Les deux pareils, c'est les sœurs jumelles. Ça doit être le papa. Oh, j'ai encore un pot. Oh, viens voir. Qu'as-tu vu? Il y en a de ce côté-là aussi. Oui, il y a aussi de. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est horrible. Alors, attends. Là, il y a la moitié... Oh ! Attends. Oh, c'est facile ! Regarde ! T'as vu ? Il y en a 3 de chaque côté. Donc, en fait, les lignes, elles sont comme ça. On est d'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y en a 3 ici, là. Là, il y a 3 emplacements. De l'autre côté, il y a 3 emplacements. Ce qui fait que ça fait les 6 qu'on voit sur le mur. On est d'accord ? Ah, d'accord. Donc, après, regarde. Moi, ma théorie, tu vois, c'est que, regarde. Là, il y a des trucs pleins. Ce serait peut-être les gros. La moitié, ce serait le moyen. Et là, t'as vu, il y a une sorte de moitié de moitié. Ce serait le petit, peut-être. Ah, ouais, burger, ouais. Donc moi, je te dirais presque que... Ouais, mais c'est lequel qui est bon, en fait, parce qu'ils sont tous différents. Comment ça? Ah, merde. Ah oui, c'est et que là, par exemple, ouais. t'as celui-là qui est 2 fois... Et même, il est inversé, en fait. Celui en haut à gauche. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Ça représente bien les 6. Ouais. Après, il y a un coffre au milieu de chaque truc. Est-ce que ça serait un indice de mais le coffre, la c'est juste pour direction. Nous situer. Ouais, je pense. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on est d'accord que celui tout en haut à gauche, c'est celui au fond, ici, à gauche. Moi, j'aurais peut-être pas dit ça, mais c'est possible. Donc, il en faudrait un grand. Ouais, mais pourquoi j'ai qu'un seul grand? Ah non, j'en ai un autre. Bien vu. Un truc intéressant, c'est que là, de ce côté-là, là, du côté droit de chaque fresque, il n'y a rien, quasiment rien. Il y a juste 2 pleins. Qui serait le plein au milieu, ce serait lui, peut-être. Mmh. De l'autre côté, on a peut-être. Un plein en haut, un plein en haut. Donc peut-être un grand en haut, de l'autre côté. Donc, celui-là, je l'amènerai peut-être de l'autre côté. On a besoin d'affirmations. C'est-à-dire genre que qu'il faut toutes les comparer pour se dire que l'un des schémas valide l'autre. C'est possible. Je vais essayer un schéma, celui où on met les 2 gros au centre. Donc ça représente ce schéma-là, là, sur lequel je suis. Ok, devant. Vas-y. Les 2 au centre. Est-ce que ça nous donne un indice ou quelque chose? 2 au centre. Ça valide rien? Ça ne valide rien. Parce que là, on a besoin de 4 clés. Est-ce qu'on a besoin de trouver 4 clés ou est-ce qu'on a besoin de faire 4 combinaisons, tu vois? Non, je pense plus que c'est 4 clés, hein, pour le coup. Comment t'avais fait pour ouvrir un tambour? Celui-là, on peut l'ouvrir? Oh, une pelle! Une pelle! Oh, l'erreur! Oh, attends, je pouvais diguer un truc! Attends, t'as un truc là, ici là, t'as un. Attends, tu l'as vu? As-tu vu? Oh! Oh, shit! Raté! Ici là, tu peux le faire ici? Alors là, ça marche pas. Là, t'as un tas. Where? Non, là, il veut pas dans celui-là. Ah, si! Là, attends! Un petit tas là? Oh, raté! Oh, ping!
peut-être y arriver. C'est infernal. Oh, attends. Oh, j'ai un coffre. Tu l'as eu. Mais à mon avis, tu peux refaire le temps. Une clé. Oh, bah facile. Ah, il put one clé. Attends, je vais essayer le temps. Non, il veut pas. Il te met un icône quand tu peux. Un icône blanc. J'ai déjà essayé là. Ouais, mais genre. Non, s'il veut pas, il veut pas. Il faut que t'ailles, il faut que tu les essayes tous en fait. Ah ok. C'est ce que je me tue à faire depuis tout à l'heure. Eh ben là, je suis pas mal. Hein. Je pense avoir tout fait là. T'es sûr? Ouais. Pas de. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Oh. One crystal. Oh, regarde. Ah, ça symbolise. C'est le S. Ça révèle des trucs. Ouais, oh, il y en a encore une là. Ça a délivré une lettre. On va voir les quatre lettres alors. Oh, regarde, il y a un bonhomme qui sourit. Ok, alors je vais mettre le S et je vais mettre le bonhomme qui sourit. Est-ce qu'on a le S? Ok. Ouais, on a le S. Est-ce qu'on a le bonhomme qui sourit? Ça ressemblerait plus à... Ensuite, j'ai une racine carrée avec 3 points. Racine carrée avec 3 points. Ah. Ouais. Là, regarde. Elle est là. Ouais. Look the racine carrée avec 3 points. D'accord. Ok. Et t'en as une aussi, là? Where? Ah oui. C'est un bonhomme pas content. À moitié. Ouais. Un PNJ pas content. Et là, regarde, il y en a un autre. Il y a un poisson qui mange un plancton. Ouais, c'est le même qu'au début, ça, j'ai l'impression. Non, je crois pas. Attends, je vais regarder, je vais vérifier, mais... Non, c'est pas le même. Tout à l'heure, il y avait un S avec un point. Ouais. Oh, il y en a un autre. Oh, un V avec un point et un éclair. V point éclair. Là, il y en a un autre. Un éléphant. Ouais, ok, j'aurais plus dit un soldat. Un gars pas content. Un taureau pas très content. Je pense pas qu'il y ait de bonnes. Tu sais, dans l'obscurité, je resterai silencieux. Seulement, peut-être le cristal, va relever mon secret. Et genre, si tu regardes tous les cristaux, ils sont organisés. Tu sais, t'avais la flèche au milieu. Ils sont tous sur les côtés. Et il y en a. Comment la ça, flèche serait au milieu. La flèche de quoi? La croix. Attends, on est con. Son frère, on est d'accord qu'il s'appelait Bauer. Joseph, de son vrai nom. Ouais. Joseph Bauer, trouve-moi un petit truc avec marqué Bauer. Peut-être que... Ben, peut-être qu'il y a un autre nom. Le premier, Joseph Bauer, le Carl's. Premier là, le tout premier qu'on a ouvert. Ouais. Ben, Joseph Bauer aussi. Andrew Bauer. Andrew Bauer. Ouais. Andrew Bauer. Alors, est-ce qu'il était marié avec un Juste Leblanc ou Olivia Leblanc? Je sais pas. Hubert et Agatha Bauer. Agatha, c'était pas ça? Il y avait pas le nom de sa nièce? La fille de son frère? Je vais te redonner. Dis-moi ça. Ok. Le premier, c'est la sœur de Jérémy. La fille de Jérémy. La fille de Jérémy? Donc, ouais, qui serait née après, du coup. Donc, Agatha, je pense. Ça. Alors, Olivia a 9 ans de différence également, et du coup, c'est sa sœur jumelle, c'est sûr. Ok, donc, on est d'accord que le dernier, c'est A. Le quatrième de ma femme, ouais. Mais est-ce que c'est la première lettre ou est-ce que c'est la quatrième lettre, tu vois? Est-ce que t'as un T, tu vois, par exemple? Est-ce qu'on a un T pour le dernier? Oui, il y a un T dans le... Non, dans l'avant-dernier. Dans le dernier. Mais dans l'avant-dernier, oui. Dans le dernier, non. Et dans Olivia, est-ce qu'on a un V dans le dernier? Non, on n'a pas de V. Pourquoi? Parce que peut-être que la première... J'ai réussi, mec. J'ai réussi. C'était quoi? Dis-moi que c'était un M. Ah, j'avais les c'était deux premiers. T. Regarde. T-O-M-B. T-O, la quatrième lettre de ma femme. Donc sa femme, c'est Agatha. C'est un T, la quatrième lettre. Donc le premier, c'est un T. Ah ouais. The first of her twin sister. Donc la première lettre de sa sœur jumelle, c'est un O. Ah, donc ça n'a rien à voir, en fait. Ouais. On se gourre dans les ben sens ouais. depuis tout à l'heure. Allez, go. On valide une deuxième clé. Plus que deux. Ouais, plus que deux. Super. Alors par contre, les trucs avec les pots... Horrible. Tu peux la brûler, là, la lettre que t'avais. Hein. De trouver le truc avec la croix au milieu, là. Dans l'ombre, je reste silencieux. Dans l'ombre, seulement The peut révéler mes secrets. The, c'est sûrement le diamant. Ok, donc vas-y, je... Ok, d'accord, je prends le papier. Regarde, t'as vu? Oh, putain! Ah si, ça y est! Oh, the génial! The Blue Light! Ok, ça, c'est bon. Tu vois les symboles ou pas? Alors, il faut trouver, oui. Le S... Alors, le poisson, il est là, je crois. Le J, c'est le S. Le poisson, il est là.
Regarde, le poisson qui mange, il est là. C'est celui en haut à droite. Celui en haut à droite. Ah oui. Le S, il est là. Ouais, mais ça montre le trésor, j'ai l'impression. C'est bien possible. Trésor, on va descendre au niveau... Le taureau, il est où? Attends, celui tiens, regarde, si je la pose au sol, déjà, c'est pas mal. Celui en bas à droite, c'est le gars pas content. Là, il est là, il est là. Et maintenant, il nous faut l'espèce de fiole avec 3 points. Elle doit être là. La fiole pas contente. Là, par là, là, non? Ça, c'est quoi ça? Et pas ici? Ouais, là. Côté. Fiole pas contente, ici? Ouais, fiole pas contente. Fiole 3 points. Fiole 3 points. Et le centre, c'est... Eh ben, c'est là. C'est ça, c'était ça, on est con. Ouais, donc c'était la clé. Hein? Oh. Oh, merde. Allez, hop, ça part. Au feu. À la poubelle. Viens voir un petit truc, là. Where? Intéressant. Quoi? Regarde là, au-dessus de ma tête. Oh putain, il y a des torches. Oui, mais il y a surtout... Il y a surtout un chiffre romain. Ah, il y a un I. Alors, 1, 2, 3, 5, 4, 6. Dans l'ordre. Est-ce que ça m'aide? Je pense pas. Est-ce qu'il faudrait rampe? Est-ce que ça correspondrait au... Ah, 1, donc c'est celui du milieu à droite. Lequel est le 1, lequel est le 2? Putain. Je suis sûr, vu que c'est 6, ça doit correspondre à ça. Oui, c'est bien possible. Putain, bien vu l'artiste. Est-ce qu'on en a un avec une seule barre? Pas là. Là? Oui, j'en ai un. Celui-là. Non, il a deux barres. Non, il en a qu'une. Ah, si, il en a deux. Là, il en a deux. Là, il en a plein. 3, 6. Est-ce que tous les petits pots, ils en ont deux? Non, c'est lequel, le 6? Le 6, c'est celui au fond à droite. Donc ça serait ça. J'en ai pas un petit pot qu'en a qu'un. Le 3. Attends, au pire, on va tester tous ceux qui restent. Le 3, ça serait celui en bas à gauche. Donc celui-là. J'en ai un à 2, si tu veux. Le 2, c'est celui à le premier à droite. Après, le 4, c'est celui au fond à gauche. Est-ce qu'on en a un à 4? Alors, moi, j'en ai 3, j'en ai un à 2, j'en ai un à 4. Je l'ai. Il me l'a chopé sur le nez, quoi. Let's go. Merde. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lequel il manque? Non. Là, celui... Les deux du milieu, je crois qu'il manque, non? J'en ai un à 5, si tu veux. Eh ben, celui à gauche du milieu. Alors, attends, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Gauche au milieu, au milieu. Là. Et au milieu, 1, 2, ben, ça, 3, 4, 5. Au milieu, c'est le 1. Mais on n'a pas le 1. On n'a pas le 1. Donc il faut qu'on trouve un pot. Il faut qu'on trouve un pot. Ouais, clairement. Un et pot avec il y a un. Qu'un, si ça se trouve, c'est qu'il est tout petit, tu vois. On l'a pas trouvé. Mais ça m'étonne qu'on l'ait pas trouvé depuis tout à l'heure. Bah ouais, parce que c'est pas qu'on a tout remué, mais... C'est pas une addition? Je pense que regarde. C'est une histoire d'addition. Mais... Regarde, là, si on prend ces deux poteaux-là. Si on prend ces deux poteaux-là, donc on a... 6. 6 et 1, 7. L'autre, j'ai les deux d'en face, donc ça donnerait... Un 5 plus un 1, ça fait un 6. 3, 4, 5, 6. Donc là, ce serait le 6 ici. Et là, on prend le 1 à 2. T'en as un à 2 ou pas? Non, on a un 3, mais... Ah si, il y a un 2. Ah, pose-le alors. Ok. Bah... Non. Si on additionne les piliers qui sont marqués là, ça donnerait ça pourtant. J'ai vérifié ma théorie. Oh là 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 là. Ah non, non, là c'est pas celui-là. C'est le 4. C'est celui-là? Quoi, le... Non. Oh si, il a raison le con. Si, c'est un 4. Donc celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Liberta. C'était juste une question d'addition, putain, mais on est débiles. Oh yes, let's go. Oh la thune, l'élixir. Oh, quoi? Je veux l'élixir. Mais on peut pas le prendre? Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh, bon, regarde. Ça va où? Ça va ouvrir la porte peut-être. Dans les araignées existantes. Oh mec, tes yeux là. Sortent de ton corps tellement t'as sniffé. Attends, ça nous a. Attends, il faut peut-être surveiller ça. Allez, ouvre-nous. Oh, ça disparaît. Oh putain, ça va fondre. Oh la magie. Incroyable. Merci clochette. Wouhou. Alors. Oh, une échelle. Ok. Vas-y, go. Oui, je peux m'en aller. Mec, je peux pas, moi. Saute. Ah, il faut sauter. Saute,
saute. On a réussi, liberté. On a mis 1h18, mec. Oh là là, on est nul. C'est bon, on va pouvoir se faire rembourser le jeu. Moins de 2 heures. Bande de nazes. Oh là là. Oh, j'ai mais au moins, on est vivant, mec. Mais on va se garder le jeu, comme ça, on pourra faire les prochaines énigmes s'ils font des mises à jour. Ah oui, c'est tellement dur. Ah, on reste dans le combo? Ah ouais. Allez. Bon bah c'est pas tout, merci à tous d'avoir suivi jusque là. Je veux un cercueil. Je veux un lit. Trouve-moi un lit. Allez. Un lit. Bon après moi je reste à côté de la thune en soi. On va faire un dedans si tu veux. Vas-y. Bon bah salut à tous, bye bye et pas. Salut. Gloire à Joseph.